Si vous allez au musée des Beaux-Arts de Montréal, vous pouvez admirer cette œuvre, le portrait de Suzanne. C'est une huile sur carton peint en 1947 par l'artiste québécoise Mimi Parent. C'est un drôle de prénom, Mimi. Son vrai prénom est Marie-Florence. Vous pouvez la voir ici avec son mari, l'artiste Jean-Benoît. Nous avons choisi de présenter ce tableau car nous avons aimé qu'il soit peint par une femme et parce qu'il est très coloré. Il présente Suzanne assise sur une chaise rouge. Elle est vêtue d'un kimono orange et elle est maquillée. Oh là là, elle a de très grosses mains. Oui, c'est parce qu'elles sont plus près de nous. Elle a l'air tranquille. Je crois qu'elle est chez elle. Elle discute avec son amie. Oui, peut-être qu'elle est dans sa cuisine car il y a des oranges, de l'ail et même une bouteille de vin. Il y a aussi un pot pour ranger sa farine ou son sucre.